c'est Maggie Closette. Alors j'espère que vous allez tous et toutes hyper, méga, super, super bien les amis. La vie est trop belle. Alors souriez. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo perruque. Perruque, can I get an amen? Amen for this hairstyle. Parce que la coupe là, oulala, oulala. C'est vous-même qui avez choisi le nom de cette perruque, Ciara. Parce que Ciara avait une coupe similaire, je vais mettre la photo là. Donc aujourd'hui je vais vous parler de cette perruque-ci, comment est-ce que je la pose et tout ça, tout ça. Vous connaissez déjà hein, toute ma récitation, ma chanson. Donc si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que j'applique cette perruque, les détails pour la recommander et tout, tout ça, ce sera à la fin de la vidéo. Mais maintenant, je vais d'abord commencer par vous présenter ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte. Parce que toutes mes perruques sur MaggieClosette.com viennent dans cette superbe boîte rose. Bon, allez, j'arrête de bavarder, suivez-moi sur Instagram. J'espère que mon micro, j'ai pas fait quelque chose de bizarre. Donc suivez-moi sur Instagram et on va commencer maintenant. Alors voici comment arrivent toutes nos perruques dans cette superbe boîte rose avec ces jolis nœuds. À l'intérieur de la boîte, vous aurez votre perruque, bien évidemment, bien emballée, tout ça, tout ça. Une carte de remerciement, des conseils d'entretien, un paquet de deux bonnets, quelques clips et un peigne à queue. Donc voici notre perruque du jour. À l'intérieur de toutes nos perruques, vous aurez trois petits peignes à l'avant, un large peigne à l'arrière, une bande ajustable et des petites bandes, des petits lacets élastiques en fait pour régler la taille de votre perruque. Toutes les nœuds viennent déjà décolorés, mais vous pouvez également ajouter un peu de poudre de fond de teint pour que la lace match avec votre teint. Donc regardez comment la ligne des cheveux, hein, elle vient déjà hyper naturelle. Donc on fait tout le travail de customisation à l'avance pour vous. Donc quand vous recevez votre perruque, tout ce que vous avez à faire, c'est couper l'excédent de dentelle à l'avant. Prenez votre temps. C'est une étape très très importante. Essayez d'enlever le maximum de dentelle possible pour avoir cet effet naturel comme là, vous voyez. Voilà, pas de baby hair, hein, 2019, pas de baby hair. Et pour la mousse que j'utilise, c'est une mousse coiffante en fait. Là, c'est de la marque Afogé. Vous pouvez la trouver dans les magasins afro généralement ou même en grande surface si vous regardez bien. Mais toute mousse coiffante va faire l'affaire. Vous pouvez utiliser, et ben, généralement j'utilise soit Afogé, soit Cream of Nature. Mais aussi, vous pouvez ajouter un petit peu de Gatsby. Pas beaucoup, hein, vraiment peu, sinon vous aurez des résidus blancs. Si votre mousse n'est pas suffisamment forte, vous pouvez ajouter un peu de spray Gatsby juste pour donner un peu de force, un peu plus de force à la mousse pour qu'elle adhère mieux. Mais ne mettez vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup de spray Gatsby, sinon vous aurez des résidus blancs. Voilà. Donc voilà, je mets juste à l'avant, hein, je prends mon temps, je plaque bien en arrière. Assurez-vous de mettre les cheveux derrière vos oreilles en fait, vraiment. Plaquez bien, bien, bien. S'il y a un petit bump, comme on dit là, au niveau des oreilles, ça ne va pas bien adhérer. Donc coupez bien la lace et après vous attachez avec un foulard. Là, j'ai laissé poser 30 minutes. Vous pouvez accélérer avec un sèche-cheveux si vous voulez. Et voilà, donc là, j'avais mis un petit peu trop de Gatsby. Donc vous voyez les résidus blancs dont je parlais. Mais vous pouvez les enlever avec de l'eau, un coton-tige et de l'eau. Puis après, passer avec un peigne chaud. C'est mieux un peigne chaud parce que la mousse rend vraiment les cheveux un peu rigides. Mais avec le peigne chaud, ça s'en va. Puis pour éliminer la démarcation du bonnet, vous pouvez mettre du fond de teint en poudre. Et voilà le travail, hein, comment est-ce que vous trouvez? Super, super bien. Et comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'aime beaucoup la mousse parce que après la lace va garder la forme de votre tête et vous n'aurez pas besoin de refaire cette opération tout le temps. Donc vous pouvez faire les fentes partout, là je vous montre au milieu, sur le côté, vous pouvez vous amuser à faire les fentes comme vous voulez. Celle-là c'est une lace front wig que je porte, mais vous pouvez également avoir cette perruque en full lace wig pour faire des fentes partout sur la tête. Et voilà, voilà! Aujourd'hui s'appelle Ciara. Elle est en taille 12 pouces, densité 150%. Ce sont des cheveux 100% humains. 100% humains. Donc vous pouvez les lisser, les boucler, les décolorer. Faire toutes les manipulations comme avec vos vrais cheveux. Hein. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. La durée de vie, c'est minimum 18 mois. Toutes nos perruques, c'est minimum 18 mois. Je vous le garantis. Là, je porte en lace front wig. La lace front wig, toutes nos lace front wig ont environ 5,5 pouces de dentelle à l'avant. Donc, vous pouvez faire des fentes assez longues. Regardez juste où ça va, au milieu de ma tête. Littéralement. Et sinon, la full lace wig, vous pouvez avoir les cheveux implantés partout, partout. Surtout le bonnet.
Quoi d'autre encore? Donc la livraison se fait à l'international. On peut livrer en Afrique, dans les dom-toms, ça prend juste 20$. Sinon, dans les autres pays, c'est gratuit. Complètement gratuit et ça se fait entre 2 et 3 semaines. Pour commander, c'est très simple. Allez sur baguette7.com, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Et pour celles qui n'ont pas de carte de crédit ou qui ne peuvent pas payer par PayPal, envoyez-moi un courriel à magiclesetshop@gmail.com. Donc voilà, ça fait le tour. Elle est trop trop belle cette perruque, franchement là. Oh my god. Dans ma vidéo précédente, j'avais présenté bouclé parce que si vous mettez de l'eau dessus, ça va comme. Si vous mettez de l'eau dessus, il y a des légères ondulations. Donc utilisez comme une mousse. Une mousse. Définisseur de boucle. A curl definer mousse. Donc après vous scrunchez, vous aurez de belles boucles. Bon, j'arrête de parler, oh là là. Et ma veste, ce que je porte, je mets tous les liens dans la barre d'infos. On se retrouve très 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 bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye. Ouais, ça. Tu peux me prendre en photo? J'ai un réflecteur. J'ai fait moi-même le papier d'aluminium. C'est même quoi ce truc? Ah, let's do it again. Qu'est-ce que tu fais même? Qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu arrêtes avant de faire. Bon, dis-moi alors, parce que là, je vais...